Bonjour tout le monde, euh, bah, bienvenue à Mixit. Euh, je vais me présenter, je m'appelle Cédric Champeau. Hop, je vais passer juste sur un petit slide de présentation. Donc D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de la conférence. Euh, ça me fait vraiment euh, très plaisir de venir à une conférence éthique. Il euh, n'y a pas un seul jour où personnellement je me pose des questions sur euh, le fait de devoir arrêter mon job ou pas. Quand je vois, voilà, je travaille dans l'open source depuis des années, j'ai travaillé sur Groovy, j'ai travaillé sur Gradle, j'ai travaillé là maintenant je travaille sur Micronautes, mais voilà quand je vois que les outils que je développe peuvent servir, je sais pas, à faire la surveillance de masse, ou tout simplement à virer des gens, ça me pose des problèmes éthiques. Donc je m'interroge tous les jours. Donc si ce que vous voyez aujourd'hui ça vous intéresse et que vous utilisez Micronautes plus tard en production, pour des projets qui sont intéressants, que vous trouvez éthiques, parlez, voilà, faut m'en parler, parce que ça m'aide à rester dans le métier. <laughs> euh, donc, euh, je travaille pour Oracle Labs, qui est une filiale, on va dire, euh, RD chez Oracle. Et donc, sur le projet Micronautes, alors euh, je me présente, mais je vais essayer de savoir un petit peu plus sur vous qui connaît déjà euh, Micronautes, on voilà, l'a déjà essayé. D'accord Est-ce qu'il y a des gens qui ne font pas du tout de Java Ok, il y en a un. Bon, bah, du coup, tu vas être converti à la fin de la session. Euh, qui connaît déjà GraalVM, plus ou moins Ok, et le Spring Boot La plupart. Bon, ben bah, voilà, donc on est en terrain connu. Très bien. Euh, donc euh, voilà, moi, je, je vais vous présenter un petit peu Micronaut. Euh, ce que vous voyez là, c'est le genre de photos que je fais euh, dans mon travail euh, personnel. Donc quand je fais pas du développement, je fais ce genre de photos. Donc si ça vous intéresse, euh, j'ai un... Euh, j'ai un, un compte euh, comment, sur euh, Mastodon qui est dédié à ça. J'ai deux comptes sur Mastodon, j'en ai un où je parle plus technique et politique. Alors quand je parle de politique, content warning, ne hein, vous inquiétez pas. Mais donc j'ai quitté Twitter, je suis que sur Mastodon maintenant. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que c'est que Micronaut? Donc Micronaut, c'est euh, voilà, un framework on va dire moderne de développement d'applications en Java principalement, mais vous pouvez aussi utiliser du Kotlin ou vous pouvez développer en Groovy. Pour les autres langages, euh, je ne sais pas s'il y en a qui font encore du Scala aujourd'hui, bah voilà, eh bien on fait, on fait le support de, de Scala parce qu'il n'y a tout simplement pas assez développeurs qui nous le demandent. Ça prend du temps de développer. Euh, donc c'est un framework, on va dire, moderne pour euh, plein de raisons, mais en gros, on va essayer de faire des applications qui vont être plus sur des architectures de déploiement euh, d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on déploie, on va plus parler microservices, on va plus parler euh, serverless, donc je ne sais pas, aller déployer sur du AWS Lambda, par exemple. Donc on va aller, euh, aller, faire, euh, de, euh, aller chercher à déployer sur ce genre d'environnement, mais euh, il ne faut pas restreindre Micronaut à ça. Micronaut c'est vraiment un framework de développement Java complet. Et donc, vous pouvez aussi faire du monolithe si vous voulez. Vous pouvez aussi faire de l'application de type CLI. Et je vais essayer de faire une démo de command line. Mes slides sont en anglais, mais si vous avez des problèmes, il faut pas hésiter à me le dire. Je pourrais vous faire les traductions. Et, euh, et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va améliorer la productivité développeur. Donc quand je vous parle de problèmes d'éthique c'est aussi ce genre de choses parce que moi quand je fais de l'amélioration de Productive Developer c'est plutôt pour redonner du temps aux devs et pas pour qu forcément qu'ils en produisent plus. Donc, euh, voilà. donc on va on vous va, on va, on va montrer ça un petit peu en détail. Donc quand on va faire euh, des applications Micronaut vous allez choisir plus ou moins votre architecture de déploiement et donc par défaut typiquement on va prendre une application qui va se dé déployer toute seule euh, sur du Neti, donc euh, qui va être vraiment euh, déployé. Euh, euh, je dire, euh, voilà, vous prenez le jar, vous le lancez, et puis il vous avez tout dedans. Mais euh, si vous vous déployez par exemple sur du Tomcat, c'est aussi supporté, il n'y a pas de problème. Hein. Pour ceux qui font encore ça. Donc, euh, pour faire euh, de, tout ça, on utilise une technologie nous, qui est euh, basée sur euh, l'annotation processing en Java. Donc euh, on va voir les annotations et on va faire le maximum de choses à la compilation. Euh, un petit mot quand même sur Micronautes en termes de support, donc Micronautes c'est un framework open source, donc je vous ai dit tout à l'heure je travaille dans l'open source depuis un moment, euh, donc c'est sous licence Apache et derrière il y a une fondation, donc Micronautes qui regroupe plusieurs entreprises. Donc il y a des sponsors et puis il y a un tech advisory board, donc, avec des, des, voilà, des entreprises qui sont relativement connues dans notre domaine. Je vous en ai mis quelques-unes ici. Voilà, il y avoir JetBrains, Amazon, Google, etc. Et puis il y a des sponsors, donc des gens qui financent le développement du, du, du framework. Euh, soit directement dans mon cas, en fait, voilà, Oracle. Me, euh, me paye pour développer ce, ce framework open source. Ou euh, par exemple, je prends le cas de, de Grindle parce que je connais bien, c'est ma précédente entreprise. Euh, eux fournissent des services à la fondation. Donc on a des services qui nous permettent euh, nous d'augmenter notre propre développeur, productivité développeur. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est bien supporté. Hein, il n'y a pas de problème. Donc Micronaut, ça va être quoi les principes Alors j'ai quelques slides au début, mais après je vais passer sur des démos. Hein, J'essaie de vous rassurer. Ça va être plus sympa de faire des démos. Euh, donc le principe, c'est euh, faire le maximum de choses au moment où vous allez compiler l'application, donc build time. Euh, dans les frameworks type Spring Boot classique, euh, il se passe énormément de choses au runtime. Donc, par exemple, vous avez de la génération dynamique de proxy. Euh, vous allez avoir euh, de l'utilisation donc de l'introspection pour aller savoir quels sont les champs qui doivent être injectés dans tel bin, etc. Donc tout ça, ça prend du temps euh, à l'exécution et ça prend euh, de la mémoire. D'accord, c'est deux choses. Donc temps d'exécution et mémoire. Euh, Micronaut va essayer d'éviter tout ça en faisant le maximum de choses à la compilation. Donc au lieu, par exemple, de calculer toutes ces informations d'injection de bin. Quand on va démarrer l'application, on va tout faire ça ahead of time, donc à l'avance, et euh, toutes les informations seront disponibles. Euh, bah, quand l'application sera démarrée, il n'y aura plus qu'à les charger euh, et pas avoir de, 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 à les calculer euh, au dernier moment. Euh, C'est aussi un framework qui va éviter tout ce qui est proxy. Donc en fait, au lieu d'avoir des proxys qui vont être générés au runtime, on va avoir des classes qui vont être générées au moment où on va compiler, et ce seront elles qui seront utilisées. Euh, voilà, donc il y a plein de choses qu'on fait. Une petite, euh, une petite note sur le dernier point que j'ai mis euh, le, le class loading. Donc pour tous ceux qui ont déjà travaillé avec des class loaders, vous savez que c'est super intéressant, c'est la joie. Euh, bon, bah, en fait dans dans MicroNote on a simplifié ça maximum. On a dit qu'il bah, il a qu'un seul class loader, il est tout plat, on met tout dedans alors ce choix il est contestable hein. euh, si vous voulez faire des applications avec euh, du reloading de classes dynamiques ça va être un petit peu plus compliqué à faire, c'est possible mais euh, en fait on pense qu'il est plus adapté au type d'applications qu'on déploie maintenant qui sont plus des microservices où en fait finalement il va y avoir assez peu de besoin d'avoir des classes loaders euh, dynamiques pour tout recharger, ce genre de choses donc là en fait ça simplifie énormément de choses au final au niveau du développement donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec MicroNote en fait bah, euh, Tout ce que vous pouvez faire avec Spring, vous pouvez le faire avec Micronaut. Voilà. Donc il euh, y a plus de 50 modules qui existent, donc je vous en ai listé quelques-uns en exemple ici, mais donc évidemment euh, on va avoir de l'accès à la base de données, donc euh, là je vous ai mis quelques exemples de bases qui sont supportées. Euh, donc on va avoir quelque chose qui s'appelle Micronaut Data, dont je vais faire la, la démonstration tout à l'heure, si vous connaissez Spring Data, c'est le même principe, sauf qu'au euh, lieu de faire ça au runtime, encore une fois, ça va être fait à la compilation. Donc on va avoir des, des intérêts. Donc, par exemple, on va être capable de générer des erreurs de compilation là où avant vous aviez des erreurs au runtime. Donc c'est quand même pas mal. Euh... note Validation, bon, pour tous ceux qui, voilà, qui ont, qui ont l'habitude des annotations type note blank, tout ça, ben, voilà, c'est supporté évidemment. Euh, si vous faites du cache, euh, donc euh, ça c'est toutes les différentes technologies de cache qui sont euh, utilisées. Évidemment, on va faire la gestion de la sécurité, donc authentification haute, etc. etc. Euh, pour tous ceux qui travaillent dans le cloud, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font, euh, je suppose qu'il y en a de plus en plus, mais voilà, il y a tout un tas de, de services discovery qui sont euh, implémentés. Euh, dans d'autres talks, je fais des démos aussi avec euh, Kafka, MQTT, etc., pour faire du, du messaging. Il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent Mongo, donc évidemment, il y a le support de Mongo, Mongo réactif. Euh, euh, il voilà. y a tout ce que vous pouvez utiliser dans le développement Java moderne aujourd'hui. En gros, vous pouvez être à peu près sûr que vous avez le support dans Micronaut. Et si ce n'est pas le cas, bah, encore une fois, c'est open source. Donc, soit vous créez des issues pour demander le support, soit, euh, encore mieux, bah, vous participez, vous faites une pull request, voire vous créez vos pr propres modules. Donc, il existe des modules Micronautes qui sont euh, maintenus par la communauté et d'autres pour lesquels, nous, on assure le support. Donc, euh, voilà, il y a les deux qui existent. Donc, tout ce que je vous ai mis là, c'est le support officiel, mais il euh, y a d'autres... Euh, donc, je, par exemple, il y a Apple, qui est une compagnie qui est, qui est assez connue en France, euh, voilà, qui, qui, qui fait des modules Micronautes qui sont maintenus par ces, spécifiquement par, par cette entreprise. Euh, donc, toujours dans le cloud, euh, qu'est-ce qu'on va supporter en environnement de développement bah, Voilà, tout ce que vous pouvez utiliser maintenant, euh, donc, euh, Azure, AWS, c'est pas en alphabétique, hein, c'est pas pour ça. Hein. J'espère que je ne me suis pas trompé. Si, c'est ça. <laughs> euh, et donc, comme vous êtes plus à faire du Spring, euh, je pense que ce point-là va être intéressant pour vous. Si vous voulez faire un euh, mumuse avec Micronautes, euh, Micronaut, vous allez voir, utilise ses propres annotations, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser si vous voulez juste apprendre, par exemple. Donc, c'est bien de connaître les annotations spécifiques du framework, mais en fait, vous pouvez venir avec vos annotations Spring que vous connaissez, vous les placer, et puis ça va marcher pareil, parce qu'on est capable de faire des choses à la compilation, donc on va être capable de trans, enfin euh, de, 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 comment dire, de transférer, transpiler, j'en sais rien, les annotations Spring vers des annotations Micronaut euh, sans problème. Vous pouvez utiliser les composants Spring que vous avez déjà dans des applications Micronautes et on a aussi le support inverse où en fait vous pouvez commencer à faire du Micronautes et, impliquer, et importer ces composants là dans une application Spring. Euh, on a un guide, donc il y a un site qui s'appelle guides.micronautes.io il y a un guide spécifiquement pour convertir une application par exemple Spring vers Micronautes. Donc pourquoi j'insiste plus sur Spring que par exemple sur Quarkus, que je pense que pas mal par, par ici doivent connaître aussi, il peut-être qui l'utilisent déjà. Le, le, en fait, c'est parce que le modèle de programmation de euh, Micronaut est finalement assez proche de celui de Spring. C'est le même genre d'application que vous avez développé, le même genre de type d'injection, etc. Et Quarkus, on va dire, ça va être plus sur du micro profile. Euh, on supporte aussi des annotations, c'est pour ça que je mettais Jacques RS. Mais voilà, vous pouvez faire aussi ce genre d'application dans Micronaut, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va parler de euh, GraalVM, qui est donc l'autre euh, partie euh, de Stalk. Donc GraalVM, euh, j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal qui connaissaient déjà euh, GraalVM. Finalement, c'est un projet qui est euh, assez euh, récent, mais euh, qui a plusieurs facettes. Et en fait, dans cette euh, présentation, je vais insister sur une seule de ces facettes. Donc, je vais parler rapidement de la première partie. Euh, GraalVM, c'est une machine virtuelle Java, d'abord. Donc, en fait, c'est un runtime que vous pouvez utiliser. Qui va bientôt être intégré même dans OpenJDK. Mais pour l'instant, c'est une machine virtuelle qui est séparée. Donc vous devez télécharger une distribution de GraalVM. De donc il y a différents euh, euh, vendors, je ne sais plus comment on dit en français, mais des, des vendeurs de VM. Voilà. Vous avez compris. Euh, donc des fournisseurs, ça y est, j'ai retrouvé le mot, des fournisseurs de VM. Donc euh, vous avez Oracle, vous avez euh, Libérica, vous avez pas mal de vendeurs. Donc ça, c'est une machine virtuelle Java qui va faire exécuter du code Java. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez GraalVM, euh, le système qui vous permet d'exécuter de, d'autres langages que Java sur la machine virtuelle Java. Donc, typiquement, euh, lancer du Python, euh, du Ruby euh, sur, euh, sur Java. Donc, ça, c'est aussi une partie de GraalVM. Donc, il y a tout, tout un moteur qui permet de faire ça. Mais ce n'est pas moi euh, ce sur quoi je vais insister. Moi, je vais parler plutôt de la partie euh, donc, compilation vers du natif. Donc là, euh, quand en fait on est sur cette partie-là en Java, le JIT, donc vous savez peut-être ce que c'est, mais le JIT, c'est ce qui se passe quand euh, votre code Java en fait, passe du mode interprété en mode compilé. Donc on passe d'un code qui va être interprété par une machine virtuelle vers quelque chose qui est dynamiquement compilé vers du code natif exécuté sur votre machine. Donc ça c'est ce qui se passe sur toutes les VM Java et c'est pour ça que Java est aussi performant parce qu'il est capable de prendre en compte euh, des informations euh, qui sont uniquement disponibles en time pour optimiser votre application. Bah, quand on va faire du natif on va utiliser un petit peu ce moteur là mais on va tout faire en fait à l'avance. Donc ça va avoir des implications. Et donc l'outil qu'on utilise euh, pour faire ça c'est euh, ce qu'on appelle native image et euh, voilà, je, voilà je maintiens par exemple le plugin native image pour les outils de Build Tool, Maven et Gradle. Euh, donc je pourrais vous en parler plus tard si vous intéresse aussi. Et donc pourquoi en fait va être particulièrement bien adapté à Grade VM, c'est que euh, quand on fait euh, du natif en Java, en fait, on va avoir un certain nombre de restrictions, euh, tout simplement du fait qu'on est obligé de connaître beaucoup de choses au moment de la compilation. Donc, en fait, quand on va compiler, vous allez voir tout à l'heure dans les démos, quand on va compiler une application en mode natif, ça prend du temps. Ça prend du temps pourquoi Parce qu'en fait, il faut que le, le compilateur aille regarder tout votre graphe de classe, regarder tout ce qui est accessible, etc., etc., pour connaître l'ensemble de l'univers exécutable de votre application. Donc quand vous avez du code Java, vous importez une librairie, bah vous n'utilisez pas forcément toutes les fonctionnalités d'une librairie. Il n'y a qu'une seule des parties qui va être accessible effectivement depuis un point d'entrée de votre code. Bah toute cette analyse-là prend du temps. Et même si vous la faites, il y a des choses qui vont rater. Donc par exemple, si vous faites appel la, aux, aux, aux API de Reflection, donc à Java, donc, ben, typiquement, ce genre de choses, bah vous avez des strings qui représentent le nom de la classe qui va être chargée dynamiquement en runtime, ce genre de choses. Et ben, un compilateur statique. Euh, ne peut pas savoir ce qui se passe. là. Donc il y, y a quand même quelques euh, subtilités qui permettent de le faire dans les cas simples, genre si vous voyez class.formName bah bon, vous savez qu'il va y avoir de la réflexion, donc vous n'allez pas avoir à faire de la configuration. Mais s'il vous avez des choses un petit peu plus compliquées et c'est en fait très très fréquent dans le monde Java eh bien ça va pas très bien marcher en règle générale avec la compilation native. Pour que ça marche, il va falloir lui apporter des métadonnées. Donc il va falloir lui expliquer, bah, tiens cette classe va être accessible au runtime, donc il faut l'intégrer dans le binaire etc. etc. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est compliqué et euh, difficile à maintenir. Mais si vous faites du micro note pur, on parle, je ne parle pas d'intégrer des librairies externes pour l'instant. Si vous faites du micro note, ben vous n'avez pas ces problèmes puisque de toute façon, on ne va pas faire de réflexion, d'accord Donc ça va marcher relativement bien. Derrière, euh, quels sont les avantages que vous allez avoir et pourquoi on va vouloir faire du natif C'est aussi la question. C'est bien de faire du natif, mais pourquoi En fait, euh, si vous venez avec euh, une application Java et que vous la lancez en production. Eh bien, vous allez avoir une machine virtuelle qui va se lancer, il va y avoir du warm-up, il va y avoir de la mémoire qui va être occupée, etc., etc. Et ça va prendre du temps et de la mémoire. Quand vous faites du natif, en fait, ben, vous avez le binaire qui est compilé uniquement avec ce qu'il faut dedans, donc il est déjà beaucoup plus petit, et peut être déployé beaucoup plus facilement sur des environnements de type euh, lambda, ou euh, fonction, euh, cloud function, etc. Donc en fait, vous allez gagner en temps de déploiement, ils avoir des binaires plus petits, mais vous allez aussi gagner en temps de démarrage. Donc là, je donne juste des chiffres sur ce que vous pouvez envisager comme, euh, comme taille d'occupation de, de, mémoire et de startup time pour une application compilée en natif, euh, Micronaut, sans accès à une base de données. Je, très clair là-dessus, juste un service, par exemple REST. Vous pouvez avoir du euh, 20 millisecondes de démarrage et puis une appli qui va tourner avec 20 gigas de mémoire. Donc relativement euh, voilà, efficient. Mais on peut faire encore mieux. Euh, je, pense, je pense que je n'aurai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui, mais on a un module qui s'appelle AOT, sur lequel j'ai travaillé aussi, qui permet d'optimiser encore plus et si on arrive à démarrer en 6 millisecondes, par exemple. C'est vraiment intéressant, par exemple, si vous faites de la fonction, où il faut absolument, euh, souvent le premier qui se connecte à la fonction, il paye le temps de démarrage. Quoi. Et puis après, vous allez facturer ça, et puis euh, si c'est pour euh, revenir à chaque fois, en fait, finalement, c'est de l'argent. C'est clair jusqu'ici ça vous va J'espère. Bon alors maintenant je vais passer aux démos parce que c'est sympa mais euh, si je vous montre du code je pense que ça va peut-être plus vous intéresser, vous allez voir un petit peu ce que ça veut Alors technique, je vais essayer de poser mon micro et je vais passer assis parce que c'est plus facile. Alors, euh, tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais de l'astrophoto. Donc, euh, on, va, on va utiliser ça pour faire notre première, euh, première démo. Il faut que je me décale. Première démo. Donc, j'ai euh, ici un petit cadre, faute, photo euh, que j'ai faite à gagner. Et donc, on va faire une application de tirage au sort. C'est quelle région C'est euh, nébuleuse de Trifide et Lagune. Et j'ai même euh, un lot secondaire. Là c'est le triplet du lion que vous pouvez voir au printemps, c'est magnifique. Au passage, n'utilisez pas Starlink. Alors, euh, on va faire une petite démo et puis on va faire une petite application simple. Donc le, pour faire une application Micronaut, vous avez plein de choix, mais le plus simple, c'est d'aller sur launch.micronaut.io, ou euh, ça. Donc là, vous avez euh, tout ce qui est disponible, c'est les configurations. Est-ce que c'est assez grand pour tout le monde, ceux qui s'en font il faut que je zoome un petit peu Je zoome. Hop. Parfait. Donc là, vous pouvez choisir les versions de Micronaut. Ah, bah tiens, la 3.8.9 est sortie aujourd'hui. Hop, je vais enlever cette feature. Mais donc là, vous pouvez configurer les différentes features que vous, utilisez, que vous voulez utiliser. Donc je ne sais pas, par exemple, si vous voulez faire du Postgres, bien vous allez avoir euh, la feature qui va être disponible. Vous pouvez sélectionner, faire euh, fait du Kafka, faire euh, un Kafka, etc. On sélectionne la version de Java qu'on veut utiliser. Donc, Micronaut pour l'instant est en version 3.8, utilise encore compatible avec Java 8, mais euh, Micronaut 4 qui sort euh, bientôt, donc la première milestone va sortir bientôt. Euh, Java 17 minimum, d'accord. Euh, les langages, donc je disais Java, Groovy, Kotlin. On va faire du Java aujourd'hui parce que moi j'aime bien Java. J'aime bien Groovy aussi, mais plus pour faire les tests. Et Kotlin, je l'utiliserai aussi, vous allez voir, puisqu'on va faire du gradle Kotlin. Euh, ça, c'est pour le, le build tool. Et puis, euh, je vais, là, donc là, je vais donner mon nom de projet. Donc là, on va faire un projet qui va être draw. Euh, je pourrais l'appeler tirage. Et tiens, on va faire comme tirage. Donc, on utilise le framework. Euh, JUnit pour les tests. Donc c'est sympa ça parce que ça vous permet de voir un petit peu ce que ça va générer l'application. Donc vous pouvez vous balader dedans. Et puis euh, si vous revenez plus tard et que vous décidez d'ajouter une feature, vous pouvez aller voir le diff. Et donc il va vous dire dans les fichiers de build par exemple ce qu'il faut rajouter quand vous avez rajouté une feature. Un truc assez sympa. Et puis derrière, donc on va faire un generate project. Et puis euh, donc là par contre je vais enlever mes features parce que je m'en moque d'avoir Kafka et tout ça pour cette démo là. Quand on fait Generate, soit je peux pousser directement sur GitHub, soit je peux prendre un zip. Et la dernière option, c'est la ligne de commande. Parce qu'en fait, ce, ce service que vous voyez là, c'est une application Micronaut qui est déployée sur plusieurs clouds. C'est déployé à la fois sur Google, sur Amazon, tout ça. Et derrière, en fait, il y a une API. Et cette API, elle est utilisée aussi par euh, un client en ligne de commande qui est compilé en natif et que vous pouvez utiliser. Donc, y a, vous avez une ligne de commande MN qui vous permet de créer des applications. Donc là, je l'ai MN en local, donc je pourrais très bien taper ça. Et puis euh, j'obtiendrai exactement la même chose que si j'utilisais la version en ligne. Donc là, euh, pour la démo, je vais faire Generate et on va prendre le zip. Et je vais aller ouvrir ça dans mon IDE. Donc là, hop, on va l'extraire. Je le mets dans mon espace de travail super secure slash lamp. Et je vais ouvrir ça avec IntelliJ. Mais vous pouvez utiliser aussi VS Code, par exemple, qui a un support euh, je là ouvert, voilà. qui a un support euh, très très euh, efficace de euh, Micronaut, et même plus que la version que moi j'ai dans IntelliJ, qui est la version community. Mais vous allez voir que ça marche déjà très bien. La seule raison pour laquelle j'utilise pas VS Code, c'est que j'arrive pas à me faire au, au, au shortcut tout ça. Ça fait tellement longtemps que je suis sur IntelliJ que j'ai du mal à changer. Ouais, mais ça marche pas bien. Euh... Ça marche pas bien. <laughs> donc là, j'ai ouvert mon projet et euh, c'est super intéressant. Il se passe rien dedans, mais pendant qu'il est en train d'importer, donc vous avez un fichier de build que vous pouvez voir. Ça définit une version de Java et puis vous avez un bloc de configuration. Ah, pardon. J'ai passé passer. Hop. Un mode full screen. Donc là, vous voyez, il a un certain nombre de dépendances. Euh, bon, c'est rien de. Mais en gros, ce qu'on a configuré dans notre dans notre projet tout à l'heure, c'est disponible ici. Hop, alors, voilà, là il a importé. Et donc je vous disais, j'utilisais le Gradle Kotlin parce que l'avantage, c'est si vous ne connaissez pas bien Gradle, que je vous invite fortement à utiliser, encore plus si vous faites du Micronaut parce qu'en termes de, de productivité de développeur, c'est le jour et la nuit par rapport à du Maven. Euh, si vous ne connaissez pas Gradle, commencez par le Kotlin DSN parce que dans le, typiquement dans IntelliJ, vous allez voir la, la complétion qui est disponible. Euh, et donc euh, voilà, il n'y a pas de, pas de surprise. Euh, vous pouvez savoir exactement euh, tout ce qui est dispo pour la, pour la configuration. Donc utilisez ça plutôt. Voilà. Euh, et puis derrière, mon application, euh, ça consiste en quoi eh ben juste une classe main. Donc si vous faites du Spring Boot, vous êtes en terrain connu. Ok. Donc là, c'est pas super intéressant. Donc on va commencer par faire une première classe. Et on, puis on va faire un, un petit contrôleur pour faire nos tirages au sort, donc on va faire une application web tout simplement. Et comme j'ai reconfiguré, je vous ai dit tout à l'heure, ça va être du netty qui tourne derrière. Donc là on va faire un draw controller. Je vais l'annoter avec add controller. On va dire l'URL de base c'est slash. Hein. Et puis il euh, y a des annotations euh, spécifiques micronautes, donc par exemple at get. Je vais venir le slash. Et puis on va faire euh, notre petit tirage au sort, donc euh, index. Je suis pas super, euh, je suis pas super, euh, comment on dit, inspiré. Mais donc là, on va faire du mob programming, mais c'est quand même moi qui met, qui mettra. Donc comment on fait un tirage au sort ah. Donc là, en fait, j'ai compté avant de venir. Moi, je suggère de prendre de, les lignes et les rangées. Donc j'ai compté tout à l'heure qu'il y avait euh, en bas 14, en haut 17. Donc on va arrondir à 17. Et euh, 11 rangées, et puis on va faire un tirage au sort. Et s'il y a quelqu'un sur la ligne aux coordonnées, il gagne. Ça vous va Ok. Donc vous allez contrôler que je ne triche pas. Donc je vais, hop, euh, premier finale statique euh, random, oh, pas statoc, euh, random. Alors si on utilisait de l'IA, ça serait plus rapide. Mais j'ai arrêté d'utiliser l'IA parce que ça me spoil mes démos. Alors, euh, on est sur Java 17, donc il euh, y a des trucs plus sympas dans random qu'avant. Et euh, donc on a besoin de renvoyer euh, une euh, colonne. Et donc on va faire random.nextint next int. Et donc les bounds, ça va être entre 1 et 17. Euh, pour l'euro, random, next int, next int, hop, et donc là, j'ai dit 1 et 11. Ça vous va jusqu'ici Vous me croyez bon. <laughs> Allez, et puis donc on va faire euh, le ou la gagnante. Ouais. C'est inclus. Ouais, parce que tu es sûr de gagner. Euh, alors c'est exclusif euh, externe. Ah donc eh, voilà donc il a trouvé un bug c'est bien. Alors la rangée, euh, la rangée ça va être trop colonne. Euh, hop colle. Mais comme je renvoie pas du JSON et que je vais renvoyer du euh, string text plain et eh bien rajouté je vais rajouter une annotation. qui va être add produces et puis on va dire media type plain Ok, voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Et puis maintenant, on va aller lancer cette application. Donc j'ai deux choix. Soit j'utilise mon IDE pour le faire. Donc je peux aller dans main et puis le lancer ici. Ou je peux le faire en ligne de commande. Mais quand on le fait par l'IDE, il va déléguer de toute façon un gradle pour faire le build. D'accord Donc là, mon application est lancée. Vous avez ça a mis un petit peu moins de 500 millisecondes. Et ah, je n'ai pas fait de l'UTF-8. Hein. Donc 8 colonnes 13, enfin quelqu'un vérifie, est-ce qu'il y a quelqu'un 8 colonnes 13. On va commencer par le petit lot. Parce que c'est normalement fait comme ça. Alors 8. Bon, l'équipe euh, technique, il va falloir qu'il regarde. Et deuxième, donc le gros lot. On est parti ranger 2 colonnes 3, c'est plus facile. Il y a quelqu'un ranger 2 colonnes 3 Ah non, il n'y a personne. Voilà. Alors moi j'ai commencé une ici. Donc deux, c'est vous là. Trois, c'est bon Eh ben voilà, le gros lot. <laughs> C'était quoi l'autre, je sais plus. Bon. Ah bah parfait. Hein, on a le transcript, c'est nickel. Ok, donc voilà, vous avez fait votre première application note Félicitations. C'est super impressionnant. Hein. Alors. J'ai arrêté ça et maintenant je vous ai quand même promis de faire du natif. Donc comment je fais du natif Et bien là je vais passer sur ma ligne de commande et je vais faire gradle w native run. Qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça Donc là en fait, il commence par me compiler mon application Java et une fois qu'il a compilé l'application Java, il va faire la transcription de ce code Java en code natif. Donc deux étapes, compilation, donc dans gradle on va avoir une tâche qui va s'appeler native compile, qui va le faire, et derrière native run, bah en fait c'est juste qu'il va prendre le... Le binaire généré et puis il va l'exécuter. Donc vous voyez que ça prend un petit peu de temps. Donc là, mon application est relativement petite quand même, il n'y a pas grand chose dedans. Ça prend déjà quelques euh, dizaines de secondes. Si vous avez une application assez grosse, ça va prendre beaucoup plus de temps. D'accord Donc c'est pas euh, quelque chose que vous allez faire dans le développement du quotidien. Ça va plus être une optimisation véritablement de déploiement. Vous allez déployer un natif binaire vers votre environnement de déploiement. Mais pas l'utiliser en tant que développement quotidien, ça n'a pas de sens. Après, ça va être avec vos tests, et on va en parler tout à l'heure, que vous allez pouvoir vérifier si ça va fonctionner ou pas. Et donc voilà, bah tiens, donc cette application-là, vous allez comparé par rapport à tout à l'heure, c'était à peu près 500 millisecondes pour démarrer. Là, on est plutôt de l'ordre des 20 millisecondes pour le temps de démarrage. Et l'application, je suis désolé, il n'y a plus rien à gagner. Si je retourne sur mon navigateur et que je lance, hop, voilà, c'est. Elle fait exactement la même chose, sauf que cette fois, c'est un binaire natif qui tourne derrière. Donc, on va aller voir les résultats. En fait, il vous dit où aller regarder. Hop. Et donc, euh, j'ai un binaire natif qui fait 63 mégas. Alors, il n'est pas optimisé, celui-ci, mais on peut les optimiser. Mais qui, est, voilà, qui a tout ce qu'il faut pour le déployer en production. Alors, chose à savoir, vous êtes obligé de compiler sur l'environnement de déploiement. Si je veux, je peux pas sur ma machine qui est du Linux, là, je ne peux pas déployer sur du Mac par exemple, il vous faudra Mac ou sous Windows. Euh, je ne sais pas si ça va s'améliorer plus tard, mais pour l'instant c'est pas fait. Ok. Donc là c'était la, la, la version très très simple d'une démo. Et puis maintenant, bah, on va essayer de faire un truc un petit peu plus sympa. Euh, un petit peu plus sympa qui va vous montrer donc, le fameux framework Micronaut Data dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord donc, ça, c'est une démo que j'aime bien parce qu'en fait, ça montre plein de choses. Et euh, moi qui suis plutôt dans le développement euh, voilà, pour les développeurs, il euh, y a des choses que je ne maîtrise pas bien. Voilà. Typiquement, si vous me demandez de faire du Kubernetes, euh, je ne saurais pas faire. Euh, ou faire du Mongo, je ne sais pas faire, etc. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont simplifiées par l'utilisation de data. Donc, là, par exemple, écrire des requêtes SQL, c'est loin dans ma tête. J'en ai fait euh, la fac, quoi, mais ça commence à dater. Donc là, euh, plutôt que faire ça, euh, donc là, je, vais dire, je vais faire une application qui va utiliser MySQL, MySQL. Et mon accent est bien. Hein. Et euh, derrière, euh, bah, je vais utiliser du Micronote Data euh, et Data JDBC. Parce que je vais faire du. Euh, je sais que mon application va être relativement simple, donc je n'ai pas besoin de m'emmener du JPA derrière, je n'ai pas besoin d'un Hibernate, tout ça. Mais vous avez du Micronote Data pour JPA, du Micronote Data pour un BNR, ça dépend de votre cas d'utilisation, d'accord. Si vous avez des gros graphes et que vous avez besoin de lazy loading, tout ça, va peut-être falloir choisir du Hibernate, ce genre de choses. Mais là, pour l'application que je vais faire, JDBC c'est très bien. Donc en fait, je vais avoir quelque chose qui va me générer des requêtes pour moi en JDBC. Et donc j'utilise MySQL, euh, Data JDBC et c'est à peu près tout ce que j'ai besoin. Et puis là, on va faire une application qui s'appelle Quotes, comme quoi Quotes. Et donc je continue avec du JUnit. Parce que je ne vous ai pas montré encore comment on faisait des tests, qui est un des très très gros avantages de faire du micronote par rapport à d'autres frameworks. Alors, quotes, je l'extrais encore dans mon slash temp. Et on va ouvrir ça dans mon IDE. Ok. Oups. Quotes. Je me fais confiance. J'espère que vous aussi. Et euh, la différence par rapport à tout à l'heure, elle n'est pas énorme, c'est simplement que j'ai des dépendances en plus. Donc j'ai une dépendance vers data JDBC et vers ICARI pour le, le pool. Euh, et puis c'est à peu près tout. Hein. Je crois que c'est à peu près tout en termes de différence. Il n'y a pas grand chose. Donc maintenant, euh, bah je vais faire une application où je vais vouloir euh, stocker des citations et. Euh, les renvoyer simplement. Donc la première chose que je vais faire c'est euh, un record. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas encore la chance des temps Java17, les records c'est sympa. Donc on va faire un quote. Et donc là, euh, bah, ça va être mon entité et donc euh, je vais avoir besoin de lui donner un ID Je vais avoir besoin euh, de dire quel est l'auteur du quote et puis euh, le quote, simplement. Donc, comme c'est une entité que je vais vouloir mapper en base de données, et eh bien mapped entity. je vais mettre ici que c'est un ID, et je vais faire generated value, une chose qu'il ne faut pas faire, mais ici, on le fait parce que YOLO. Ok, donc là j'ai mon quote, et puis maintenant je vais vouloir stocker ça en base de données. Et eh bien pour faire ça, je vais faire mon quote repository. Et je vais la noter avec at jdbc repository. Et à l'intérieur, je vais lui donner mon dialecte. Comme j'utilise MySQL, je lui dis c'est MySQL. Et donc là, je vais faire un extends crud repository qui prend deux types. Le premier, c'est le type d'entité quote. Et le deuxième, c'est le type de l'id. Voilà. Je pourrais m'arrêter là, mais comme je vais faire une démo, euh, que c'est plus pratique, je vais faire juste une surcharge de ce qui se passe dans le CRUD. Sur le findAll, je vais utiliser un type de retour qui va être liste, au lieu d'être iterable, c'est juste plus pratique dans les tests. D'accord Et donc maintenant, on va aller voir ces fameux tests. Je vais là-dedans, et ça, c'est un test Micronote, donc c'est une classe qui est adoptée par test et où vous pouvez utiliser l'injection de dépendance. Donc ici, je ne vais pas avoir besoin d'injecter mon application, je vais faire un @Inject de mon code repository. Hop et puis derrière, je vais changer mes assertions. Et puis on va aller stocker des côtes. Et donc je vais en créer une. Alors là, l'inconvénient d'utiliser var, c'est que euh, la complétion ne marche pas. Je me fais avant à chaque fois. Et pas encore assez intelligent. Donc l'auteur, on va dire, c'est moi. Et MicroNote, c'est cool. Hop, copyright. Emmanuel Bernard, Alors, pour ceux qui l'ont. Alors, code repository, et maintenant je vais l'enregistrer. Je save mon code, et j'ai l'enregistrement derrière. Et donc, comme je suis dans un test, euh, on va faire insert, insert, euh, ouais, insert true, on va faire, parce que on va vouloir le, le voir planter ce test-là, sinon c'est pas rigolo. Hop, insert true, et à chaque fois, j'ai un doute sur l'ordre. Euh, moi, je fais plus du Spock, c'est plus simple. Euh, donc, c'est euh, le vrai qui est de où Je ne sais plus. Voilà. Donc, saved. Normalement, je m'attends à ce que mon ID, une fois stocké, soit différent de nul. D'accord Et bien je vais faire que je m'attends à ce qu'il soit nul pour qu'on le voit planter. Ça vous va Allez, on lance et on regarde ce que ça donne. Et si je ne me suis pas trompé, il devrait se passer quelque chose. Ça, je vous avais vu quelque chose qui s'est mais je vous en parlerai tout à l'heure. Hop, euh, ne me cause plus, toi. Alors, là, il s'est passé quelque chose. Et euh, oh, tiens, il y a du Docker. Hein, Qu'est-ce qui s'est passé bah, En fait, euh, mon test, il utilise une base de données. Donc, il utilise MySQL. Je n'ai rien eu à configurer. En fait, euh, Micronaut, là, m'a configuré automatiquement une base de données de test avec. Euh, MySQL il a lancé un conteneur Docker avec ça dedans et j'ai rien eu à faire. C'est plutôt cool. Ça s'appelle Micronaut Test Resource, ça marche pour plein de trucs, euh, base de données, Kafka, tout ça. Et c'est relativement sympa. Et donc vous avez une application lancée entièrement. Alors je pense que ça prend du temps parce que malheureusement, la connexion réseau est pas top. Ça devrait déjà être fini. Comme je suis en tethering, je me demande s'il n'est pas en train de télécharger une nouvelle image. Bon, ça y est. Ah. Alors, est-ce qu'il s'est planté Qu'est-ce qu'il me dit Je vais relancer parce que je me demande si c'est pas juste un timeout. Et voilà. Donc pour les plus vieux, voici un effet Bonaldi. Autrement dit, l'effet des mots. Chose à savoir dans une TG, c'est pas top, mais en fait, il se passe des choses quand vous avez une test. Il se lance des trucs en background. J'aimerais bien que ça marche quand même. Sinon, c'est pas cool. Voilà, c'était bien qu'il téléchargeait une nouvelle image. Donc maintenant, voilà. Waiting for database connection. Mais c'est quoi l'image Met du temps à se démarrer. Voilà, j'ai des tests complantés et on peut aller voir. Le report que je ouvrir dans Chrome et euh, assert expected true but was false. Hein Donc c'est bien que notre test fonctionne. Je vais changer ça différent null, relancer et eh oh, s'il te plaît Faut que tu veux plus y aller Différent null. Je relance mon test et ça passe. Alors, donc là, j'ai un test qui utilise euh, vraiment une base de données, tout ça. Donc, euh, voilà, le test est passé, heureusement. Donc, l'effet démo marche. Euh, j'ai bouffé mon forfait, mais c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé derrière En fait, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, le, quand on a fait le Hat Inject, quand on a fait le Hat micro test, en fait, vous avez une application complète qui s'est chargée derrière. Donc, un des gros intérêt d'utiliser Micronaut, c'est qu'en fait le mocking vous allez beaucoup moins en faire parce que les démarrages des tests sont suffisamment rapides pour plus avoir à payer ce coût de démarrage des tests à chaque fois. Donc vous avez beaucoup moins besoin de moquer, vous pouvez tester sur les vrais composants derrière. Donc Vous allez plus euh, faire du test d'intégration, du test fonctionnel que du test unitaire. Vous pouvez toujours faire du test unitaire, vous pouvez toujours faire du mocking, mais en fait le coût de démarrage de l'application est tellement faible que ça devient super intéressant de tester avec la vraie application derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais que vous reteniez par rapport à, à, à l'utilisation d'autres frameworks, c'est que le le, le le Micronaut est vraiment optimisé pour tout ce qui est testing. Euh, donc ce, voilà, si vous faites du TDD, c'est parfait pour vous. Donc quand j'ai fait ça, c'est sympa, mais maintenant ce que j'aimerais quand même c'est avoir un contrôleur derrière pour pouvoir l'utiliser en ligne de commande. Avec je ne sais pas si URL ou n'importe quoi. Et donc on va aller euh, rajouter un petit contrôleur, donc un quote contrôleur, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et bien hop. Euh, je remets mon contrôleur de tout à l'heure. Et donc là, bah c'est pareil, en fait. Ici, je vais pouvoir utiliser soit les annotations at inject avec des champs, mais c'est pas ce qu'on recommande. On va plutôt faire de l'injection euh, par le constructeur. Et donc là, mon code repository. Je vais l'injecter directement dans mon constructeur et c'est tout ce que je vais faire pour pouvoir l'utiliser. Donc derrière, je vais faire un get avec euh, bah le, je sais pas, le, le slash pour la liste ou slash list. Tiens. Et donc là, on va faire list quote. Hop, je vais utiliser list list all. Et donc si vous avez suivi, normalement, juste à faire ça, find all, ça me suffit. d'accord. Et puis par contre, derrière, je veux quand même faire un post avec un slash add. Et je vais dire euh, quote, add quote. Et puis je ne vais pas faire de vérification parce qu'on en arrive au bout de la session déjà. Euh, donc là, bah, je vais avoir besoin d'un auteur et d'une euh, quote. Et là ce que je vais faire c'est exactement ce que j'avais dans mon test. Hein. Donc je vais faire un quote, euh, je vais faire un return quote repository.save de new quote author et quote hop où je me suis trompé c'est qu'il me faut null ouais, pour l'id, pour évidemment. Alors donc là je vais lancer ça en mode natif encore une fois. Donc je vais changer, je vais passer en ligne de commande et je vais faire un euh, gradle native run. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est intéressant de voir. Parce qu'en fait c'est quand même quelque chose qui va utiliser une base de données derrière. Et donc compiler du natif et tout ça et faire des bases de données, euh, c'est compliqué, mais sauf que là ça va marcher de manière complètement transparente. Donc là je vais avoir un service qui va être en natif et qui va se connecter à ma base de données, utiliser du JDBC si je ne me suis pas trompé. Je rajoute un terminal et pendant qu'il est en train de compiler, on va préparer notre petite ligne de commande. Je vais faire un euh, tututu, HTTP euh, post. Bob Dylan a dit ça. Donc Bob Dylan a dit que Micronaut, ça a été cool aussi. Donc là, je fais juste du Gison, hein, tout simplement. Gison, oh non, c'est horrible comme mot. Et puis on va attendre qu'il est compilé. Comme je vous dis, il faut être patient. Alors je ne vais pas avoir le temps de vous montrer ici parce que je voudrais garder quand même quelques minutes pour les questions. Mais donc tout à l'heure, quand j'ai lancé mon test, vous avez vu que j'avais deux choix. J'avais test ou native test. Donc si vous faites du Junit et que vous utilisez Micronaut, vos tests peuvent être lancés en natif. D'accord, donc vous allez avoir la vraie application qui va être donc compilée sous forme de binaire natif, vous allez avoir aussi vos tests unit compilés au natif, et vous pouvez exécuter votre test suite en natif. Et donc l'intérêt c'est de vérifier qu'en production vous allez avoir le même comportement en natif que vous l'avez en JVM. Parce qu'encore une fois, c'est pas le même environnement, c'est pas la même chose. La compilation il peut se passer des choses. Voilà, donc l'application est démarrée. Vous avez vu que ça a mis plus de temps, c'est simplement à cause de l'accès à la base de données. Au début. D'accord Il faut que je mette la bouteille de l'autre côté, m'a dit. Oups. Alors, je lance ça, et avec un petit peu de chance. Voilà. Donc là, l'enregistrement est bon. voyez. Et euh, je vais faire le get pour être parfait. Et vérifier que tout va bien. Http. JSON. Euh, get. Euh, C'est du localhost sur le port 8080 80, et on a dit slash list et voilà mon code est revenu et donc c'est enregistré en base de données il n'y a pas de problème tout va bien donc là vous avez fait une première application en quelques minutes micronote qui va faire euh, un contrôleur qui va euh, stocker des données en base de données avec micronote Data qui va lui s'occuper de générer vos requêtes euh, etc etc et par rapport euh, typiquement du Spring Data ou euh, sur le repository, ici quand vous faites des requêtes de type list quote, et puis vous mettez euh, find all by euh, short name. machin, Si je fais ça, et puis que je mets short name, bah là il ne se passe rien Donc hein, Sauf que donc si j'utilisais Vscode, déjà il commencera à se plaindre, il me dirait que ça c'est pas possible. Et quand on fait les choses à la compilation avec Micronautes Là, si je fais ici, euh, hop, je vais passer... Ah, je ne peux pas passer ici en full screen, je crois. Ça ne marche pas bien. Je vais essayer de nous grossir. Je vais faire un... Euh, <laughs> Gradle compile. On va faire classes, tac. Bill failed. Il me dit, hop, je suis désolé, mais short name, ça n'existe pas sur ton entité, dès la compilation, au lieu d'avoir le problème runtime. Vous avez ce genre de Donc là si vous utilisez VS Code encore une fois, ça vous l'avez directement dans, euh, dans l'IDE intégré gratuitement. Je pense que IntelliJ le fait dans la version Ultimate, euh, qui elle est payante. Mais moi je n'utilise pas la version payante. Ok, ben, je suis arrivé au bout des démos que je voulais vous montrer. Euh, J'en avais une autre qui utilisait Mastodon, mais bon on n'a pas le temps de la faire. Mais si ça vous intéresse, je suis encore là toute la journée, on peut en discuter. Euh, je reviens sur mes slides. Ah bah, j'ai raté mon coup, donc je ne vais pas revenir sur les slides. Hop. Euh, donc Encore une fois, allez sur euh, launch.macron.io pour faire vos premiers tests. Et j'ai trois minutes pour les questions.